a pleasure for me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin. Le 11 juin 2016, le docteur Ruja Ignatova prend la parole devant une foule en délire. Lors d'un événement incroyable et qui restera dans l'histoire jusqu'aujourd'hui. Elle parle là d'une crypto-monnaie qui s'avérera plusieurs années plus tard être l'une des plus grandes arnaques crypto jamais conçues par l'homme. OneCoin, cette crypto-monnaie l'a surnommée le Bitcoin Killer, était censée ravir la vedette à la crypto-monnaie mère, le Bitcoin, de par son sérieux, de par la sécurité de sa blockchain et de par les rendements que la plateforme OneCoin proposait. Aujourd'hui, nous verrons en détail l'histoire du OneCoin et l'histoire de cette femme-là qui est aujourd'hui la femme la plus recherchée du FBI. Ruja Ignatova, comme on le prononcerait en bulgare, est née le 30 mai 1980 en Russie. Elle immigre assez tôt en Allemagne avec toute sa famille et c'est là-bas qu'elle obtient en 2005 un doctorat à l'université de Constance. Sa thèse est applaudie par les membres du jury. C'est une femme très intelligente qui a un sens extrêmement poussé du leadership et qui comprend le monde financier avec une précision tout simplement incroyable. Cette femme voit un avenir brillant, bascule dans le crime en 2012, où elle est condamnée suite à la liquidation d'une entreprise dans des circonstances douteuses à 14 mois de prison avec sursis. C'est là son premier vrai scam où elle sera finalement condamnée. Mais cela n'est que un essai par rapport à ce qui vient par la suite, l'arnaque OneCoin. OneCoin. Comment fonctionnait OneCoin? OneCoin était un système de marketing multi-réseau. Son activité principale consistait à vendre du matériel éducatif. Il y avait plusieurs packs qui tendent de 100 euros à plus de 118 000 euros ou encore à 225 000 euros selon plusieurs sources. Chaque niveau ou chaque pack donnait un accès à un contenu pédagogique. Mais en général, ce contenu pédagogique était un contenu de base qui pouvait facilement être retrouvé sur Internet. Chaque pack contenait des jetons qui devait permettre de miner des OneCoin, c'est-à-dire de produire des OneCoin. Donc, lorsque vous investissez, le pack vous rapporte des OneCoin. Ces OneCoin-là, vous pouvez les utiliser à plusieurs niveaux. Déjà, il y avait un site de vente en ligne, DealShaker. C'était un site créé par OneCoin. Et ce site-là se chargeait de vendre des produits, en général de basse qualité. Et vous devez payer ces produits-là en OneCoin. Mais pas juste, parce que le site exigeait que vous payiez une partie en OneCoin, mais une autre partie en argent réel. Et lorsque vous voulez transformer vos OneCoin en argent réel, vous devez aller sur One Exchange. Sur One Exchange, on vous donnait les euros virtuels. Et maintenant, lorsque vous voulez retirer ces euros virtuels-là, c'est à ce moment-là qu'on vous faisait un virement sur votre compte bancaire. Donc, vous comprenez déjà que le système était fait de façon à garder l'argent au maximum autour des sites web ou bien des plateformes développées par OneCoin. Le système avait également une possibilité de parrainage. Alors, lorsque vous amenez quelqu'un, vous avez une commission en retour. Vous avez 60% qui est reversé à OneCoin et 40% qui est reversé à la personne qui invite. La date exacte à laquelle OneCoin a été lancé n'est pas précisée. Mais en faisant une recherche rapide sur l'internet des archives, on peut voir que OneCoin a été enregistré autour de 2014. Et nous avons un premier snapshot, un enregistrement du site le 23 août 2014. Et on peut voir à quoi ressemblait le site exactement ici. Donc vous voyez, juste à son lancement,
le site disait déjà avoir 54 247 personnes, ce qui montre clairement que le site était en train de mentir dès le début, parce que nous sommes bien au lancement du site et le site déclamait déjà avoir 54 247 personnes. Donc il y avait déjà une mentalité de fraude dès le début. De par son système de marketing multiniveau, OneCoin a rassemblé plus de 3 millions de victimes dans le monde. En effet, le système permettait de faire du parrainage sur 7 générations. Donc, vous gagnez avec celui qui vous a rejoint, mais aussi sur ceux qui vont rejoindre cette personne-là, et ça de façon récursive jusqu'à la 7e génération. Le système américain estime qu'environ 4 milliards ont été détournés au niveau mondial. Il faut rappeler que les estimations varient. D'autres parlent de 6 milliards, d'autres encore de jusqu'à 15 milliards de francs. L'entreprise faisait des conférences dans le monde entier avec notamment la célèbre conférence qui s'est déroulée au centre Wembley à Londres. We will be the biggest out there and we will write history. And the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy. Nobody can compare to us. We have today the most users. We are the biggest crypto reserve currency out there. And to everybody who tells me that I violate the philosophy of cryptocurrency, guys, we are a bigger community. We decide what the philosophy of cryptocurrency is. Huh? In 2 years, nobody will speak about Bitcoin anymore. Le système OneCoin, faisant plusieurs malversations financières, attire l'attention de nombreuses autorités de plusieurs pays. Notamment, la Commission financière de Bulgarie émet un avertissement le 30 septembre 2015 concernant OneCoin et demande tout seulement à OneCoin de cesser toute activité en Bulgarie. Cela pousse OneCoin à se réfugier vers d'autres pays. En décembre 2016, la Banque centrale hongroise émet également un avertissement concernant OneCoin en le qualifiant de système pyramidal. En février 2017, en Ouganda, en Afrique, OneCoin s'est installé à Kampala précisément et tente de recruter des investisseurs. La Banque d'Ouganda prévient concernant cet investissement-là. En mars 2017, la Banque nationale croate a conseillé au public de faire preuve d'extrêmement de prudence concernant toute décision relative à OneCoin. Comme cela, on peut citer plus de 30 banques dans divers pays qui ont émis des avertissements concernant le produit OneCoin. Malgré tout cela, le produit continuait à perdurer et à recruter beaucoup de personnes. Mais tout bascule lorsque, lors d'une conférence en 2017, le docteur Ruja Ignatova ne vient pas. Elle, pourtant connue pour sa ponctualité et son sérieux, ne décroche plus aux appels, ne fait plus aucun signe de vie. À ce moment-là, les gens commencent à s'inquiéter et le coup de grâce est porté lorsqu'en mars 2019, on arrête son frère qui avait pris les rênes de l'entreprise à l'aéroport de Los Angeles qui tentait de quitter le pays pour la Bulgarie. Il est arrêté ce même jour-là. Les États-Unis publient un rapport déclarant OneCoin comme étant un système pyramidal qui est une arnaque financière. Merci de nous avoir écoutés et très prochainement pour un nouvel épisode de Cristory.